Salut, salut à vous tous, c'est Latima, l'animatrice de Rap Sangawili. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être à Farrakhan pour découvrir l'un des finalistes de la compétition Rap Sangawili 2019. Tout de suite et maintenant, allons voir ce qu'il a à nous dire. Fougouye, pour y arriver. Fougouye, pour y arriver. Ils te diront que c'est impossible. Continue à les écouter, tu rendras compte de ta chute. Bats-toi plus dur pour que la vie te soit plus facile, c'est l'objectif de Khalil. Mesdames et messieurs, ici c'est Rap Sangawili. Comme vous le savez déjà, je suis avec l'un des finalistes de la compétition Rap Sangawili 2019. Comment tu vas? Ouais, je vais très bien. Tu es sûr? Sûr et certain. Ah d'accord, je te laisse te présenter alors. Je m'appelle Wiz Alka, né ici à Farrakhan, j'ai grandi ici, j'ai tout vécu ici à Farrakhan, c'est mon quartier, my take for life. Alors Wiz Alka, qu'est-ce qui t'a motivé à participer à la compétition Rap Sangawili? Bon, tout d'abord, l'an passé j'étais là et comme par malheur je n'ai rien pu faire, donc j'étais découragé, désespéré, donc je ne voulais même pas entendre parler de Rap Sangawili. Mais c'est sans doute mon frère Sanyot, c'est lui qui m'a poussé parce que l'an passé j'étais là et on n'a rien foutu de bon. Donc j'étais découragé, cassé la morale jusqu'à merde. Mais grâce au conseil de Yod, j'ai repris la morale. Et en temps, je suis parti voir Cisco et puis il m'a dit que non, que je suis un peu talentueux, donc que de m'inscrire. Que tout y a pour le mieux, puis c'est ce qui m'a poussé à m'inscrire. Ah d'accord, voilà. Es-tu élève ou bien tu fais quoi dans la vie? Bon, j'étais élève, mais cette année j'ai pas fréquenté. Mais l'année prochaine, je compte retourner à l'école pour augmenter mes expériences. Combien d'années que tu es dans le rap? Bon, le rap, j'ai étudié le rap depuis tout petit. J'ai interprété des artistes américains comme Jason Derulo et Bruno Mars. Ce sont des artistes que j'aime très bien. Ce sont ces deux-là qui me font inspirer. Quand je les écoute, je suis dans bon. Voilà, qu'est-ce que la compétition Rap Sangawili t'a apporté? Depuis le début jusqu'en finale, tu es en finale. Qu'est-ce que ça t'apporte? Voilà, avant, quand on me disait de rapper, je chantais seulement, je ne pouvais même pas poser de flow. Mais je crois que grâce à Rap Sangawili, maintenant je peux faire des trap dirty, des afro tap, couler sur le beat comme je veux. J'ai pu passer maintenant à I-Level. Oui, Zalka, quelle est ta vision pour le rap burkinabé? Bon, ma vision, c'est devenir un très grand artiste burkinabé. Je veux valoriser la musique burkinabé. En parlant de la musique, je veux parler du rap. Parce que quand on constate, on voit qu'ici au Burkina Faso, le rap est un peu naze. Voilà, les gens ne se préoccupent pas du rap, alors que le rap, c'est la musique. Quand on dit la musique, c'est le rap. Donc je veux devenir un très grand rappeur. La fierté de tous, la fierté de mes parents, de mon Tchéka, de mon pays, de mes négas. Voilà, c'est simple. Comment tu prépares la finale? La finale, je prépare tout simplement du feu. C'est pas du feu qui brûle les gens. C'est le feu qui va sans doute brûler les oreilles, qui va étonner même les membres du jury, faire un tap dirty, couler sur le beat 30 et une minute même sans s'arrêter, étonner les membres du jury, faire lever le public, attendre des acclamations de gauche à droite, de haut comme en bas, parce que je viens avec du strap dirty. Voilà, oui, Zalka, quel est ton dernier mot pour encourager tes frères qui sont dans la rue, qui refusent de venir participer à la compétition Rap Sangawili? Voilà, ce que je peux dire à mes frères, c'est que sur cette terre, il n'y a pas un être humain qui ne peut pas. Tout le monde peut et vraiment ce festival, c'est vraiment un festival qui aide les jeunes, voilà, parce que non seulement on a fait la connaissance de d'autres artistes que je n'avais même pas pensé les voir, mais grâce à ce festival, on a fait connaissance, échanger le numéro tout et tout, de nouvelles flows, voilà, de nouvelles images. Tu tires au nom de qui? Terroriste. Tu tires au nom de qui? Et Rap Sangawili, c'est une très très grande vitrine. Voilà, merci beaucoup Wiz Alka, c'est la fin. Voilà, nous te disons un grand merci de nous avoir accueillis ici. Voilà, merci, au revoir.